back in elementary. Thrived on misery, left me alone. I grew up amongst a dying breed. Inside my mind, couldn't find a place to rest until I got that thug life tatted on my chest. Tell me, can you feel me? I'm not living in the past. You wanna last? Be the first to blast. Remember Cato? No longer wait to see deceased. Call on the sirens. Seen them murdered in the streets. Now rest in peace. Is there heaven for a G? Remember me? So many homies in the cemetery shed so many tears. I suffered through the years and shed so many tears. Lord, I lost so many tears and shed so many tears. Tous les frères sont pas des frères. La première fois qu'on s'est parlé au téléphone et que vous avez accepté ces entretiens, vous avez déclaré, je vous cite, « S'ils m'abattent, je veux que les gens n'en perdent pas une miette, qu'ils connaissent la véritable histoire. Tout ce que je vais essayer de faire, c'est de raconter votre véritable histoire. » Le plus long procès de l'histoire de l'État de New York est arrivé à son terme. Les Panthères 21, accusés de conspiration contre des officiers de police et également des bâtiments gouvernementaux, ont été acquittés de tous les chefs d'accusation. Oui ! Madame Chacour, qu'est-ce que ça fait d'être libre ? Libre, vous dites ? Vous avez été incarcéré pendant des mois, vous vous êtes défendu sans aucun avocat et vous avez gagné. Maintenant que c'est terminé, n'aimeriez-vous pas dire quelque chose? Oui, je suis une femme noire. Une femme noire qui s'est défendue seule face à un système raciste, fasciste et impérialiste, mais qui l'a emporté. Mais nous ne devons pas oublier tous nos frères et nos sœurs accusés à tort et qui ne pourront jamais réclamer justice. Nous devons parler en leur nom, parce que nos concitoyens, eux, le savent. Tout le monde ne peut pas jouir de la liberté ici-bas. Et tout le monde n'a pas accès au pouvoir. Nous sommes en pleine révolution. C'est plus qu'un mot, la liberté. J'ai eu beau franchir les portes de ce tribunal, je n'ai pas encore embrassé la vraie liberté pour moi et pour mon peuple. Et pour l'enfant qui va bientôt voir le jour. Et qui grandit en moi. Billy Garland était votre père biologique. Ouais. Mais elle vivait en couple avec Mutulu. Exact. Mes frères et sœurs, Mutulu Shakur. Le noir, c'est magnifique. Le noir, c'est magnifique. Je crois que vous n'avez pas compris. J'ai dit, le noir, c'est magnifique. Le noir, c'est magnifique. Ils veulent que je me taise, ça vous le savez tous. Moi aussi, j'aimerais par moment. Et vous savez qu'ils veulent ça pour une seule bonne raison, oui, une seule. Ouais, absolument, ouais, on est pas. Ouais, c'est vrai. Vous devez défendre vos idéaux. Ouais. Vous devez vivre en gardant votre objectif en vue. Ouais. Et vous devez être prêt à mourir pour cette cause. Je préfère mourir debout que vivre à genoux. Ouais. Je suis un révolutionnaire. As-tu lu l'article du New York Times? Oui, maman. Et alors? Nelson Mandela vient juste d'être transféré de Robben Island à la prison de Portsmouth. Et qu'as-tu pensé du journaliste qui parle d'une escalade de la violence dans les villes? Espèce. Surveille ta sœur. Marqué à l'épicerie la semaine dernière. Et je vous ai aussi vu au repas pour les sans-abri. Belle initiative, oui. Vous et vos raclures du FBI, vous allez éviter d'approcher ma famille. Désolé, ça n'arrivera pas. Pas sans avoir attrapé cette. Eh ben, je vous souhaite bonne chance.
Prenez soin de vos enfants. On s'en va. Joyeux Noël, jeune homme. Merci, maman. Je l'adore, maman. Merci, papa. De rien, ma chérie. Ça t'amènera bien plus loin qu'un ballon de basket. Hé. Merci, maman. Hey. Comment ça va, ma belle? Désolée de ne pas avoir de cadeau pour toi. C'est toi, mon cadeau. Hey. Tu sais que je vais être absent, non? Ils vont tout faire pour me trouver. Je t'aime. FBI! FBI! Personne ne bouge! Touchez pas à mes enfants! Touchez pas aux enfants, bande d'enfoirés! Fous-la par terre et ferme-lui sa grande gueule! Bouge pas! J'exige de voir votre mandat. Le 4e amendement garantit que les personnes sont en sécurité chez elles et les protège contre toute perquisition. Où se cache ton mec, Afeni? Tu sais pas? Je te rafraîchis la mémoire. C'est un manque. Tu vois? Ça te plaît de les voir comme ça? Va te faire foutre. Pas ce soir, ma belle. Pas le jour de Noël. Qu'elle bouge pas de là. Viens là, petite salope. Debout. Plus vite que ça. Par terre, à genoux, allez. Reste par terre. Est-ce qu'ils viendront nous chercher à Baltimore? Pas si je peux les empêcher. J'ai froid. Ça va aller. C'est vraiment un braqueur de banque? Tu sais que je l'ignore. Et peu importe, il cherche seulement à le neutraliser. Pourquoi ça? Parce qu'il représente une menace pour leur société. Votre beau-père est un révolutionnaire. Alors moi, je vais être un révolutionnaire. I got a letter from the government the other day. I opened and read it and said they were suckers. They wanted me for their army or whatever. For it to be given a damn, I said never. Here's a man that never gave a damn about a brother like me and myself. I wasn't with it, but just that very minute it occurred to me. A sucker's an authority. Cold sweat, that's a 12% of the Est-il plus noble pour une âme de souffrir les flèches et les coups d'une indigne fortune? Ou de prendre les armes contre une mer de troubles et de leur faire front et d'y mettre fin? Mourir, dormir, rien de plus. Vous avez devant vous le premier rôle dans votre version d'Hamlet. Bravo! Félicitations. Merci. Qui est ma prochaine victime? Shakur Spire. Non. De Niro, ma belle. Arrête ça, avant que ta grosse tête soit trop lourde à porter. Elle pourra pas être plus grosse que la tienne. Je vois pas ce que tu veux dire. T'es vraiment trop naze. Toi, t'es trop naze. Oh, t'as de la répartie. C'est là que vous avez rencontré Jada Pinkett? Ouais. C'était une fille avec qui je discutais des heures. On était en symbiose, vous voyez ce que je veux dire? C'était pas une banale histoire d'amour. C'était véritablement ma meilleure amie. Ouais. Salut, Setch. T'as ramené à manger? Trop cool, j'avais trop faim. Bien sûr que j'ai à manger. Ouais, maman? Au fond. Maman?
resté au lit toute la journée? Toujours pas d'homme à la maison? Non, Mutulu était en prison. Et votre père biologique? J'ai dû avoir des nouvelles de lui seulement 3 ou 4 fois dans toute ma vie. Parlez-moi de Legs. Hey! Salut, Pac! Comment tu vas? Ça boum. Je vous ai ramené de la bouffe. C'est super cool, merci. Ta mère m'a dit qu'il vous fallait des petites choses, alors tu me connais. Legs! Voilà la plus belle! Salut! Tu nous étais de voir, j'espère. Ouais. Moi, je sais pas lire, alors je peux pas aider. Et toi, quoi de neuf, tout roule? Je fais aller, ouais. Hein? Ta mère est pas là, je lui avais dit que je passerais. Dans sa chambre. Suis-moi, j'aimerais te parler vite fait. Tiens, prends ça. Y a que dalle qui rivalise avec ce bout de papier. Que dalle. Dis pas à ta mère que je t'ai filé ça. Tu la connais, elle te ferait acheter une encyclopédie ou une merde de ce genre-là avec. C'est une femme futée. Elle m'a dit que c'était pas évident pour vous. Ouais. Écoute, c'est encore ta mère malgré ce qui se passe. Quoi qu'il arrive. Parfois, il faut prendre du recul. Oublier qui c'est, pour voir qui se cache derrière. Tu comprends? Je comprends, ouais. Si t'as besoin de quelque chose, tu peux me demander, ok? Compte sur moi. Je te remercie, Lex. Eh, je peux t'aider, les... Eh, tu te la coules douce dans mon quartier! T'as pas mon fric, j'imagine, hein? Je t'avais prévenu! Si t'as pas mon putain de fric, je te puterai! Je veux vivre! Si je laisse couler, on va croire que je suis faible! Arrête! J'ai rien fait! J'ai rien... Quelle a été votre réaction quand votre mère vous a dit, à vous et à votre sœur, de faire vos valises? On déménage encore? Non, seulement nous. Maman nous envoie ailleurs. Dis pas ça, je vous envoie nulle part. Vous allez rester avec un ami à moi qui fait partie du mouvement. Je peux pas partir, maman, tu comprends? Ma vie, ça se passe ici, maintenant. Tu dois partir. Il faut que... Je règle des petites choses ici. Écoute. J'ai besoin que tu... Je t'en prie, ne fais pas ça. Il va falloir que tu deviennes l'homme de la maison. Je suis l'homme de la maison. Je sais ce qui se passe ici. Ah oui? Qu'est-ce que t'essaies de dire? Explique. Tu le sais parfaitement. Non, t'as quelque chose à te dire. Alors je t'écoute, vas-y, parle-moi. Dis-le. Exprime-toi. Je t'ai pas élevée pour que tu te taises. Je bouge. Qu'est-ce qui va pas? Dis-moi tout. Je suis obligé de déménager en Californie. Quoi, t'es sérieux, là? Tu me fais marcher. Chaque fois que je commence à aller de l'avant, les problèmes débarquent. Hey, on sera toujours amis. Toi et moi. Ça va aller. Je t'ai écrit un petit truc. Jada, tu es l'oméga de mon cœur. La fille qui fonde ma conception de l'amour. Quand je pense à une femme idéale et parfaite, tu es la première qui me vient à l'esprit. Tu ne comprendras jamais vraiment les sentiments que je ressens pour toi. J'ai peur que la vie nous sépare et que je finisse par te perdre. Tu m'amènes au 7e ciel sans me toucher et tu y parviens avec la grâce d'une reine. Tu es mon cœur sous forme humaine. Une amie irremplaçable. C'est pas mal, ouais. T'es pas parti en Californie, que t'es déjà plein de bons sentiments. Oh, j'ai bien entendu, là. Absolument. Tu viens de lâcher les grandes eaux. Les larmes coulent et je suis plein de sentiments. Tu vas grave me manquer. City of dope, I call it oak. Can't be broke, selling coke. Fat ropes, shattered hopes. Fresh cars and all that dope. J'ai vu des trucs de malade quand j'ai débarqué en Californie. J'avais jamais vu ça à Baltimore. Salut les gars.
de cette vie, j'en peux plus. J'en ai ma claque. Calme-toi, pose ce couteau, bébé, s'il te plaît. Hein. Pas devant le petit, pose ça. J'ai vu quelqu'un se faire tuer sous mes yeux le premier jour où j'ai débarqué. J'aimerais simplement comprendre votre état d'esprit. Parce que ça a dû être extrêmement dur. On vous a déraciné, fait quitter New York pour Baltimore. Là, vous arrivez en Californie et vous n'allez plus en cours. Il fallait que je me fasse de l'argent. C'est là que j'ai vraiment commencé à rapper. J'ai rencontré Leila Steinberg. Elle organisait chez elle un atelier qui mêle le hip-hop et la poésie. On applaudit fort un MC de New York. Ouais, je suis le fils d'une panthère, j'ai l'esprit d'un vrai rebelle. Il voudrait. Elle m'a mis en relation avec Etron. Il était manager de Digital Underground à l'époque. Cauchemar, mais monsieur l'agent, j'ai que 18 ans. Je t'ai décroché une audition. Tu te fous de ma gueule? C'est pas vrai, tu te fous de ma gueule? Merde! Tupac, Leila n'arrête pas de me parler de toi. J'espère qu'elle a raison. Allez, viens avec moi. Alors tu sais rapper, hein? Absolument. Ils ont organisé une rencontre. C'est lui. Ok. Et j'ai dû rapper pour Shock G. Ça boum, mec? Ah, et toi, ça boum? Shock G. Et bien sûr, tu connais Money B. Comment ça va, les mecs? Tupac Shakur. Fais péter ton flow. Ouais, fais de la place, je suis un sauvage. C'est juste ma vie de jeune ghetto qui est à la marge. Je baisse pas la tête malgré ils les problèmes. Ils ont kiffé mon flow. La pluie va pas durer. Et ils m'ont fait signer. Bienvenue dans l'underground. Et juste après ça, je suis parti en tournée. Stop what you're doing, cause I'm about to ruin the image and the style that you're used to. I look funny, but yo, I'm making money, see? So yo, world, I hope you're ready for me, so gather round. I'm the new fool in town, and my sound's laid down by the underground. I drink up all the Hennessy you got on yourself, just let me introduce myself. My name is Humpty, pronounced with a umpty. Oh ladies, oh how I like to funk me. And all the rappers in the top 10, please allow me to bump thee. I'm standing tall, yo, and just like Humpty Dumpty, you're gonna fall when the stereos pump me. I like the rhyme, I like my beats funky, I'm spunky. I like my oatmeal lumpy, I'm sick with this. Straight gangster man, and sometimes I get ridiculous. I eat up all your crackers and your licorice. Hey yo, fat girl, come here, are you ticklish? Yeah, I called you fat, look at me, I'm skinny. But nothing stops me from getting busy, I'm a freak. I like the girls with the boobs, I once got busy in a Burger King bathroom, I'm crazy. See, I'm ugly, but it just don't faze me. I'm still getting in the girl's face, and I even got my own dance. So I'll be dance. It's your chance to do the hump. Don't do me bad. Do the humpty hump. Do the humpty hump. Yeah, I do the humpty hump. Watch me do the humpty hump. Hey, yo, Chicago, we love y'all. This is the underground in the house. Thank you. Où était votre mère à cette époque? Elle nous avait rejoints en Californie. Voilà. Comment ça s'est passé? Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Vous pourriez développer? Pas vraiment. When I was born, I was designed to be a boss. Used to be able to deal with anything that I came across. Throw off methods, I wore this glass to break that sound across when I was out there in the trap. Be flicking and serving knocks. I played with a dangerous street instrument that didn't shoot pellets. So maybe he's one of the most favorite women. Je le crois pas. Je t'ai manqué ou pas? Non. Non, on dirait que si. Non. Alors, cette tournée? La folie. Hallucinant, mais un truc de dingue. Voilà comment c'était. Hey, c'est pour toi. Je vois, d'accord. Quoi? Rien.
Pac, déconne pas. Je fais ça seulement parce que je t'aime. Je fais ça pour personne. Qu'est-ce que tu fous? Hé, c'est ma mère! Tonton, c'est ma mère! C'est ma mère, putain! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que toi tu fais? Tu prends de cette merde? Tu prends de cette merde? Mon chéri. Mon chéri, quoi? J'ai la situation sous contrôle. Non, t'as que dalle sous contrôle. Stop, tu fais preuve de faiblesse. Tu vaux mieux que ça. Laisse tomber. Non, faut que tu sois forte. Non, écoute. C'est clair, ce truc décime la communauté. Je viens de te dire que tout était sous contrôle, mon chéri. Tout va bien. T'as que dalle sous contrôle. En direct, t'as oublié qui je suis. Faut pas qu'Amaru Shakur ne me tourne pas le dos quand je parle. Je suis ta mère, que ça te plaise ou non. Hé, hey, Moni, il est où, Choc? De l'autre côté, mec. Hé, hey, Choc, il faut qu'on parle. Je bosse, là, mec. Accorde-moi juste 5 minutes. Ouais. Qu'est-ce que tu fous, là, putain? Il faut que les choses changent. De quoi tu parles? Tous ces couplets que j'écris simplement pour te faire briller. Je veux plus faire ça, c'est terminé. Soit je fais mon propre truc, soit je bouge. Alors bouge, n***. Un dernier petit truc. Je me fous de ta gueule, mec. Il s'en va direct, le gars. Te fous plus jamais de ma gueule comme ça, putain. Détends-toi, t'inquiète. J'ai cru à fond. Comptez sur moi. J'ai failli péter un plomb. Tu débarques, mais... tu coupes mon son. Écoute ça, c'est un petit cadeau pour toi. Tupac, go ahead and rock this. Now I clown around when I hang around with the underground. Girls used to frown, say I'm down when I come around. Gas me, and when they pass me, they used to diss me. Harass me, but now they ask me if they can kiss me. Get some fame, people change, wanna live their life high. Same song, can't go wrong if I play the nice guy. Claiming fame must have changed now that we became strong. I remain still the same, cause it's the same song. And all I want is the same song. Alors mec, t'es prêt pour le deuxième couplet ou tu te branles? Ouais, qu'est-ce que tu crois? Évidemment, pareil pour le décollage. Vas-y gros, fais péter alors. Ouvrez vos oreilles. Prenez-en de la graine, les branleurs. C'est ta mère qui me branle. Je t'emmerde, mon hippie. Balance le sang. Non, ça le fait toujours pas. Ça fait 2 heures que je suis dessus. Si on doit rester 10 heures, on restera tant que ça le fera pas. Ça, c'est clair pour toi? Hé, hey, Pac, relax, mec. On reprendra demain et ça va le faire. Ne jamais remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Tu vas me doubler mes vocaux et débrouille-toi pour que ça envoie du lourd. C'est ma musique qu'on fait. Mais ça va pas coller. Rien à battre, ça doit pas être parfait. Tu comprends, je veux qu'on ressente mes hésitations quand je reprends mon souffle. Je veux pas que ce soit tout lisse, je veux que ce soit brut. Fais ce que je te dis, c'est clair? Dis-lui ça, Moni. Contente-toi de faire ce qu'il veut. Bon, comme vous voulez. C'est pas vrai. Monte les accords de piano. The girl can hardly spell her name. That's not our problem, that's up to Brenda's family. Well, let me show you how it affects our whole community. Voilà, c'est exactement ça que je voulais. Tu vois la différence? T'entends la différence? Ça tue. À ce moment-là, vous imaginiez que cet album ferait de vous une star? J'ai jamais vraiment voulu devenir une star. Mais c'est là que vous avez percé. C'est pas vraiment à ce moment-là. C'est arrivé par accident. J'étais sur un tournage, mon pote auditionnait pour un rôle, je lui faisais répéter ses répliques, et c'est moi qui ai décroché le rôle. T'es dingue, mec. Tu sais quoi?
Quand t'as dit ça la dernière fois, j'étais peut-être en plein délire, ouais. Mais là, t'as raison. Je suis complètement dingue. Mais je vais te dire autre chose. J'en ai vraiment plus rien à foutre. J'en ai vraiment plus rien à foutre de toi. J'en ai plus rien à foutre de Steele. Et j'en ai plus rien à foutre de Raïm non plus. Même de moi, j'en ai plus rien à foutre. Ok, coupé. On l'a refait une fois. On reprend depuis le début. Je suis qu'un raté et je commence à me faire à l'idée. Pac, coupé. On reprend au début. Ça te va? Ouais, ça me va. On reprend, allez. C'est bon, Ernest? On y va. T'as raison. Je suis complètement dingue. Mais je vais te dire autre chose. J'en ai vraiment plus rien à foutre. J'en ai plus rien à foutre de ta gueule. J'en ai plus rien à foutre de Steele. Et j'en ai plus rien à foutre de Ryan non plus. Même de moi, j'en ai plus rien à foutre. Je suis qu'un raté et je commence à me faire à l'idée. Donc si je décide que toi aussi t'es un raté et qu'il sert à rien, bam. Wow. Super, Pac. T'es bien parti. Fais gaffe à toi. Souviens-toi de ça, enculé. Je suis la seule personne qui devrait te faire petit déchirer. Croyez-vous que le rôle de Bishop a eu un impact sur votre vie personnelle? Non. J'ai puisé dans ma vie personnelle, dans ce que je vivais au quotidien, pour jouer Bishop. Ça vous a pas affecté, alors? Ça a changé mes opportunités. Rien de plus. Ted Field. Voilà. C'est naze, j'hallucine. Excusez-moi, je peux avoir un autographe? Non, tu sais à qui t'as affaire. Ouais, bien sûr, j'adore votre album. Ah ouais, c'est vrai? Évidemment que tu peux avoir un autographe, jeune fille. Tu t'appelles comment? Daniel. Pour... Vous êtes génial. C'est gentil, Daniel, ça me fait plaisir. Tupac. Ted Field. Comment ça va, mec? Bienvenue à Interscope. Je vois que vous connaissez déjà ma fille. Ouais. C'est quoi ta chanson préférée? Sois pas timide. I ain't give a fuck. Hein? C'est le titre d'une des chansons de l'album. Tes devoirs, d'accord? Ouais. À tout à l'heure. Suivez-moi. Ah, bonjour. Content de vous voir, Tupac. Salut. Soyez le bienvenu. On adore votre musique, Tupac. Ce que vous décrivez dans vos chansons, c'est pas tout rose, mais c'est authentique. Ça provoque des émotions. C'est la marque des bonnes chansons. J'apprécie. Merci. Ne remerciez pas. On a seulement 2 ou 3 suggestions. Pas grand-chose. Juste 1 ou 2 chansons que vous éviteriez de chanter pour le moment. Comme quoi? Brenda's Got a Baby. Vous dites que vous me connaissez et que vous connaissez ma musique. Et vous croyez que je vais laisser tomber cette chanson? Pour être franc, Brenda's Got a Baby est déprimante. Elle est authentique, comme vous l'avez dit. Ne le prenez pas mal, mais ça parle d'une ado qui se fait agresser. Personne ne veut entendre ça. C'est une fille de 12 ans violée par son cousin, qui va tomber enceinte, qui va accoucher d'un bébé dans une salle de bain, va se mettre à vendre de la drogue et se prostituer juste pour se nourrir. Et au final, elle se fait assassiner. Au niveau marketing, c'est un vrai cauchemar. Et c'est sûrement pour ça que les autres labels l'ont refusé. Les gens veulent seulement s'amuser. J'admire le fait que vous connaissiez les paroles. Mais il n'y a pas que les gens qui veulent s'amuser. Il y a ceux qui veulent être entendus. Et c'est là que je débarque. Je fais un reportage sur la rue. J'éduque les jeunes et je les informe sur ce qui se passe vraiment là-bas. Est-ce que vous savez d'où elle vient, Brenda? Hein? Vous savez d'où elle vient? Du New York Post. Tous les jours, il parlait de cette histoire. Et à chaque fois, son histoire prenait de moins en moins de place dans le journal. Vous savez pourquoi? Car c'est le ghetto. Et l'Amérique blanche s'en bat les couilles de ce qui se passe dans le ghetto. Nous comprenons les différents problèmes des centres-villes. C'est pas dans les centres-villes, Ted, mais en banlieue. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils nous mettent à l'écart de tout. Quand vous naissez, vous débarquez dans une dynastie ou dans un empire. Vous pétez dans la soie avec votre thune et vos héritages. L'héritage de mon peuple, c'est les champs de coton, mec. Nous, on n'a aucun héritage familial. Rien de tout ça. Donc nous, la seule chose à laquelle on peut se rattacher, c'est notre culture et notre musique. Interscope est aux côtés de ces artistes. Nous respectons nos artistes et leur créativité. J'ai pas besoin de votre respect. Moi, je veux que vous compreniez tout ce que je raconte. Voilà ce qu'on va faire. Je vais vous passer le morceau, ça vous va? On va faire péter votre sono flambant neuf. Je vais vous mettre dans l'ambiance.
Imaginez que vous êtes à l'église et que le révérend prêche. Je suis juif. Eh ben, shalom et la raïm sur ce son. C'est parti. Vous êtes dedans, hein? Oui, je crois. Vous avez jamais rien entendu d'aussi profond. Non, on n'a jamais entendu de son aussi profond. Exactement, Ted. On aimerait vous signer chez Interscope. Bienvenue à bord, monsieur. Félicitations. C'est comme ça qu'on fait affaire. Now the baby's in the trash, he ballin'. Mama can't help her, but it hurts to hear her callin'. Brenda wants to run away. Mama say you're making me lose pay. And social work is here every day. Now Brenda's gotta make a run. L'album est sorti, le film aussi, et ma vie a commencé à changer. Écoute, tout va bien se passer, maman. T'es une battante. Merci, mon chéri. Je t'aime. Je t'aime aussi. J'ai appris de sources sûres que le FBI a un dossier de 4000 pages sur vous. Seulement 4000 pages, hein? J'étais pris pour cible, c'en est la preuve. Ouais. Hey! Comment tu t'appelles, merdeux? Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Comment tu t'appelles? Réponds. Tupac. Tupac Shakur. Ton vrai nom? Bordel de merde, c'est mon vrai blaze, les mecs. Vous voulez quoi? C'est pas Soweto, ici. Compte ta voiture. Hey, me touche pas! Qu'est-ce que vous me voulez? T'as pas traversé sur le passage piéton? Eh ben, donne-moi mon amende et je me casse! Allez, coupe de mur! Il vous faut des preuves tangibles et pas traverser sur un passage piéton. C'est pas inscrit dans le code pénal, je le sais. Ta gueule, génie! Le rappeur et acteur Tupac Shakur affirme avoir été frappé au thorax et au visage par des policiers d'Oakland qui l'ont interpellé cette nuit au milieu de la route. Vous avez dit, l'Amérique est le plus grand gangster qui existe. Vous avez donné votre argent à des groupes militants et votre beau-père, il a aidé votre tante Assata Shakur à s'échapper de prison. Et puis on peut pas dire que vos paroles débordent d'amour pour les forces de l'ordre. Ouais, ça c'est sûr. Et il y a eu le drame de Marine City. Ça a l'air cool, ce festival. Il y a déjà pas mal de monde. C'est un truc de dingue, quand même. C'est clair. Hé, frérot, mate un peu toutes ces nanas. T'as vu ça? Ouais, visez-moi ces beautés. Oh, bon. Oh, regarde ça, merde. Regarde comme elle se déhanche. T'as vu comment elle bouge son boule. Salut, mec. Comment tu vas? J'ai adoré Jules. Ouais. Bishop est un putain de dur à cuire. J'apprécie. Une petite dédicace. Ouais. Ce gros se prend pour le roi. Tu continues à faire ce que tu fais. T'es une starlette, négro. Je suis venu avec mes potes, pas d'embrouille. Avec mes potes, mec. Tes potes? Ouais. Ici, t'as aucun pote, mon gars. T'as jamais rien fait pour le ghetto. C'est des conneries. On t'emmerde, starlette d'Hollywood de mes deux. Va te faire foutre. J'ai rien fait pour le ghetto. Je représente tous les mecs du ghetto chaque jour. Je me cache pas. Je suis venu là. Et je veux passer un bon moment. Mais les abrutis dans ton genre me font chier grave. Mec, tu commences à me chauffer, sérieux. Tu trouves que j'ai rien fait, mais pourquoi tu viens te plaindre? Ça t'emmerde qu'un mec comme moi ait percé? Essaie de percer comme un grand, Néo. Mais t'es là, devant moi, à m'embrouiller, en espérant un coup de main. T'es un pauvre mec. Ferme ta gueule, fils de pute. Dégage de là, vous faites trop pitié avec vos conneries. Je vais te défoncer. Merde. Piquez ces enfoirés. On a tous déconçu les gars. Tupac,
Tout va bien? Ça va. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment ce drame vous a chamboulé au point de décider d'aller chez un tatoueur vous tatouer Thug Life. Thug Life, c'est un acronyme. La haine que tu as pour les enfants, ça détruit le monde. Je sais, je t'ai vu à cette émission de télé. Mais ça signifie quoi, hein? Il faut que ce soit bien plus qu'un acronyme. Il faut que t'aies un plan. T'as une opportunité en or de rassembler les révolutionnaires avec les gangs et les communautés sous un même code de conduite. Et toi, tu pourrais y parvenir. On doit créer un mouvement pour notre communauté et s'assurer que tout le monde est en sécurité. Quand on envoie des troupes dans le monde, on envoie des voyous. Quand les flics viennent frapper à votre putain de porte, c'est des voyous. Vous essayez de créer un mouvement positif pour les personnes noires en utilisant des symboles négatifs comme la vie de voyous. Allez, s'il vous plaît. Vous savez, ceux qui me soutiennent, c'est pas des Booker T. Washington comme vous. C'est des escrocs, des soldats de rue, des mères qui font tout pour s'en sortir. Vous captez? Il vous faut pénétrer le monde des autres pour pouvoir changer leur vie. Si ça vient de vous, je peux pas y croire. Comment ça, si ça vient de moi? Non. Et pourquoi ça? Après ce qui est arrivé, quelle chanson vous sortez? C'était pas une chanson engagée, pas comme Brenda's Got a Baby, pas vrai? Ouais, et alors? Non, non. J'ai pas le droit de m'amuser quoi, dans mes morceaux. Répondez. C'était I Get Around. Voilà, vous êtes en contradiction permanente. Non, je suis pas bien en contradiction. Bien sûr, vous parlez à la fois d'une vie de voyou et de rendre le pouvoir au peuple, mais c'est et pas alors, sérieux. C'est quoi le problème? C'est aussi parler à mon peuple. Et c'est pas parce que vous n'arrivez pas à comprendre ça que ça signifie que c'est moi le problème, pas vrai? Parce que tous les frères sont pas des frères. Stronger than ever. Back to get wrecked. All respect to those who break their neck to keep their hopes in check. Cause though they sweat a brother majorly. And I don't know why your girl keeps paging me. She tell me that she needs me. Cries when she leaves me. And every time she sees me, she squeeze me. Lady, take it easy. Hate to sound sleazy, but tease me. I don't want it if it's that easy. Hey yo, bust it. Baby got a problem saying bye-bye. Just another hazard of a fly guy. Your ass wide don't matter. My pockets got fatter. Now everybody's looking for the... J'ai vu ton clip avec toutes ces filles légèrement vêtues. Ah, tu parles des femmes qui vont à l'église le dimanche. Et dans la baignoire, c'est sûrement de l'eau bénite, c'est ça? Attends. La prochaine fois, t'auras qu'à venir leur apprendre Jada, à rapper. Il faut que tu signes. Tu sais quoi? T'as perdu la boule. Attends, signe. Désolée, c'était mon agent. Quoi? T'as un agent? Hein? T'as un agent maintenant? Comment ça se fait que t'es là? Et qu'est-ce que tu fais là? Comment ça va, Miss Hollywood? Je suis jaloux. Ah, c'est toi qui dis ça? Tu vas encore faire un nouvel album et puis un nouveau film. Eh ouais, je suis comme ça, tu le sais. Je bise le sommet. T'es une vraie star. Hein? Ouais. Et ta mère? Hein? Comment est-ce qu'elle va? Ah, ça va mieux. Ça va. Elle est forte. Ouais. Tu le sais. Elle doit revenir. Quoi? Laisse-moi. Je te recoiffe. Ah, c'est vraiment pas sympa, ça. Je vais juste t'emmener faire un tour, mais je vais appeler les filles de l'église pour venir avec moi en studio. C'est ça, à plus. Ouais, attends. Salut, quoi? Oublie pas que t'es ma naze préférée. Je suis plus naze. Je trace mon chemin, viens. Ouais, je vérifie un truc. Non, non. Non. Salut les filles. Salut. Salut. Je suis content de te voir. Hey, moi aussi, Hey, salut Pac. Salut. Salut à tous. Ça roule? Mon petit ange. Voilà le plus beau. Tant pis, Luda. Ça va? Laisse-moi te regarder, mon grand. Où est-ce qu'elle est? Elle est à l'intérieur. Viens avec moi, je t'emmène la voir. Say it.
trop fatigué de danser? Comment ça, pas trop fatigué? J'ai encore une super danseuse. Ouais, t'as vu ça? Je te taquine, c'est tout. Comment tu vas, maman? Ça va? C'est pas facile. À chaque jour suffit sa peine. J'essaie de ne pas craquer. T'as jamais craqué, regarde. Je vais bien. Sedge va bien aussi. Je serai jamais l'homme que je suis devenu, sans toi. Je te remercie. Regarde-toi. Je suis tellement fière de toi. Pac, ils sont en train de parler de toi à la télévision. Viens voir. Ceux qui produisent ce genre de chansons ont une responsabilité. Ils ne doivent en aucun cas... Le vice-président, il connaît des chansons. Nous ne pouvons pas les laisser faire. J'espère qu'ils auront compris leur erreur et j'espère également qu'à l'avenir, ils feront preuve d'un peu plus de jugeote et de responsabilité. Éteins, s'il te plaît. Car ces chansons ont un impact sur ce qui se passe dans les... Mon chéri, je me fais du souci pour toi. T'as aucune raison de t'en faire. Comme tous les leaders noirs, t'as une cible au milieu du front. Aujourd'hui, elle est encore plus grande. Mais je suis pas un leader. Pas encore. Ta mère a raison. C'est exactement ce qu'ils ont fait à Geronimo. Et comment ça, t'es pas un leader? Le vice-président du pays vient juste de parler de toi à la télé. Mon fils, je t'en prie, ouvre les yeux. Avec les panthères, c'était pas à cause de nos armes ou de nos blousons en cuir. C'était à cause de notre message. On changeait les mentalités en profondeur. Ils vont tout faire pour t'atteindre, Tupac. Ils s'en prendront à tout ce que tu aimes le plus. Ils vont mettre à ta disposition les moyens dont t'as besoin pour que tu finisses par te détruire toi-même. Comment ça va, New York? Ouais, comment vous allez ce soir? On est heureux d'être parmi vous. Je suis Atron Grigori, le manager de Tupac Shakur. Et vous êtes à la soirée officielle de lancement de l'album Strictly For My Niggas. Allez, faites du bruit. C'est ce que je voulais entendre. On vous remercie pour votre soutien sans faille. C'est une sacrée aventure. Je suis fier d'annoncer que Tupacalypse Now est officiellement disque d'or et sera bientôt platine. Ouais. On compte sur vous car on voit les choses en encore plus grand pour Strictly For My Niggas. Mais sans plus tarder, je vous demande de faire un triomphe à l'homme du moment, Monsieur Tupac Shakur. Comment ça va, New York? J'ai dit comment ça va, New York? D'accord, je vois. Ça fait grave plaisir de revenir dans la ville qui m'a vu naître, ouais. Je t'aime, toi! Je t'aime, moi aussi. Y'en a combien qui ont vu ce que le vice-président a dit sur moi? Les keufs abattent chaque jour des noirs qui n'ont rien fait, et quoi, elle s'en prend à moi? L'enfoiré. Apprends à être les patates, et peut-être bien qu'on en discutera, nous deux. Mais je dois remercier Monsieur Quell. Car ce genre de pub, ça peut pas s'acheter. D'ailleurs, vous savez quoi? Je vais lui envoyer un mot de remerciement. Je fais les petites fautes exprès. On verra si ce neuneu comprend la blague. Allez-y. Toute ma vie, il y a des enfoirés qui m'ont cherché des noix, c'est pas nouveau. Mais j'ai quand même un message pour tous ces enculés. Vous voulez savoir ce que j'ai à leur dire à ces fils de pute? Je crois voir mon pote Biggie Smalls dans la place. Tout défoncer, négo. Ouais, mec, merci. Toi, merci. Est-ce que Brooklyn est dans la place? Ouais, cool. Balance le son. We're Brooklyn. I got a few screws loose, dude. Still been wanting to clap at me with
off of scams. Give me the microphone first so I can bust like a bubble. Not the death nigga, so it pays. Je crois que je pourrais vite m'habituer à cette vie. Ouais, tu m'étonnes. Si tu continues à faire des sons comme Party and Bullshit, t'auras la vie de rêve. Écoute, tu peux viser beaucoup plus loin. Avec mon équipe, on voit les choses en grand. Il faut que tu fasses pareil, mon gars. De quoi tu parles, mec? Il faut éduquer les masses. Un son pour les faire bouger et un son pour les faire réfléchir. Les hommes, à de certains moments, sont maîtres de leur destinée. Si nous ne sommes que des subalternes, cher Brutus, la faute en est à nous. Et non à nos étoiles. Mais c'est quoi ce délire? Juste les mots d'un poète de la rue, Shakespeare. Mec, t'es en train de triper. Crois-moi, le pouvoir qu'on a, il va falloir t'y faire, mon pote. Pourquoi tu parles toujours de pouvoir? Où tu vas en venir? Je te parle de gars qui ont deux fois mon âge, qui m'écrivent pour demander des conseils. Il y avait un gosse qui allait mourir et tout ce qu'il voulait, c'était me voir. Il aurait pu choisir n'importe qui, mais c'est moi qu'il voulait voir. Et s'il y a un mec qui descend un flic, ils vont mettre ça sur le dos de mes chansons. Ce genre de pouvoir, c'est un truc de dingue. Tout ce que je veux, c'est juste assez de pouvoir pour que les gens bougent leur cul et aillent acheter mon album. C'est tout. C'est une façon de voir les choses. Allons voir ces demoiselles. Absolument, c'est parti. Arrive, deux secondes. Salut, Tron. Ton téléphone est mort? Eh merde. Ah, tu l'as éteint? J'hallucine. On pourrait se parler en privé? Alors? Ça vient des avocats. Ils ont diminué ton avance. Si on paye pas ce qu'on doit, ils vont plus nous représenter. Et pour Above the Rim? Je les ai appelés. Le chèque est pas arrivé. Alors rappelle... Rappelle-les. D'accord? On devrait peut-être attendre avant d'envoyer l'argent à ta famille et... Pas question, ça je peux pas y couper. Le room service, c'est pareil, hein? Et toutes ces nanas-là, tu peux pas y couper? Mademoiselle? La vie privée de Tupac Shakur attire plus l'attention que sa musique. Le rappeur a été arrêté 10 fois depuis 1991. Il a lancé son premier album seulement un mois après qu'un garçon de 6 ans a été tué d'une balle suite à une bagarre dans laquelle était impliqué Tupac. Le premier album est platine, le deuxième album est platine. Il y a le marketing, les autorisations pour les samples, les ventes d'albums et les retours sont... Non, y a personne qui la ramène sur mon taf. Il faut laisser les choses se calmer. Cette affaire est très compliquée. Non, et... vous compliquez les choses. Il n'y a rien de compliqué. Écoutez, je vous l'ai dit, Tupac. Il faut d'abord attendre que les choses se calment. Signe-moi mon chèque et je me calmerai. C'est assez clair pour toi? Arrêtez vos conneries. Ce mec, c'est un sacré mytho. Je confirme. J'y peux rien si elles tombent toutes comme des mouches. Soyez pas jaloux. Comme des mouches à merde, ouais. C'est clair, il baisse des meufs dans tes rêves. Eh, regardez, c'est Pac. Je les ai jamais vus. Yo, salut Big Show. Salut, Pac. Comment tu vas? Ça va, mec. Hey, j'aime bien ce que tu fais, c'est du lourd. J'apprécie. Est-ce qu'il te traite bien? Tu sais comment il sent? Bien sûr que je le sais. Écoute, si jamais t'as besoin de quoi que ce soit, même si ça concerne pas le rap, tu peux venir me voir. D'accord? Loin de moi l'idée de me servir de toi, de me faire du fric sur ton dos. Je veux juste faire croquer un jeune frère. C'est noté. Tu fais bien. J'aimerais te parler juste une minute. Désolé, j'ai pas trop le temps. Je dois bouger à New York. Pour Above the Rim, c'est ça? Ouais. Ouais, on fait la musique du film. T'es sérieux? Je te jure, ça va être du lourd. D'ailleurs, tu dois avoir un son pour moi. Évidemment, négro. Tiens-moi au jus. Cool, t'auras qu'à m'appeler. Pas de soucis. Cool, à plaisir. Plus tard. Ouais, à la prochaine. Je l'aime bien, ce petit lire à loin. Ça va, mec? Pas gros. Quoi de neuf? Ce mec veut te voir. Ah ouais? Ouais, tu sais pourquoi? Je vois très bien, ouais. Bien, mec. Ça boum, beau gosse? Ouais, et toi? Assieds-toi, vas-y. Assieds-toi. Je t'écoute. Ouais, alors voilà. Tu devines pourquoi je suis là, hein? Faut que tu m'enfiles 52. Aussi vite que possible. 52, mec. T'as entendu parler de moi?
Tu sais que je tiens parole niveau business. C'est exactement pour ça que je suis là. Allez, faisons affaire ensemble. C'est pour ça que t'es là. Ouais, faisons affaire. À la tienne. À la nôtre. Merde. Toi, prends cette mallette, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il vient foutre ici, lui? Yo, ça boum, Big. Comment tu vas, mec? Ça va, tranquille. Ouais, je vois que vous êtes tous à fond, c'est la soirée de King Capri. Grosse dédicace à notre hôte, Nice. C'est moi. Faites du bruit, le roi de la place. Ce mec. C'est Nigel. Comment ça va, Big? Nigel, Tupac. Ouais, je l'avais reconnu. Ouais, Nigel. Comment ça va? Ouais, passer la serveuse. Hé, hey, toi, ramène tes fesses tout de suite. Va me chercher une bouteille de chambre pour mes amis et mets-la sur la table. D'accord. Dépêche-toi. Écoute, c'est ma ville. Je veux simplement t'accueillir comme il se doit, tu comprends? J'apprécie ton hospitalité. Ouais, je te cherche, je te remercie. Tant mieux, profites-en. Si t'as besoin de quoi que ce soit dans ce putain de club, il est à moi. Alors viens me faire signe. C'est noté. Je suis là pour toi. Hésite surtout pas à venir me voir. C'est du vrai croco, cette putain de veste. Ouais. Oh, t'as la classe. Ouais, fais-toi plaisir. Espèce d'enfoiré. Tu crois que tu parles à qui, là? T'as cru que c'était Anotso? Faut t'y faire, maintenant. C'est plus toi, Al-Qaïd. J'ai repris les rênes. On s'y croirait. Tu déchires. Regarde-toi, mon pote. Regarde-toi. Ah, oh, tu me ressembles un peu sur cet écran. Ah, au fait, je t'ai dit qu'il fallait toujours être stylé, pas vrai? Ouais. Eh, hey, vise en plus ça, mon pote. C'est un cadeau pour toi. Non. Ouais. T'as vu ça? Une Rolex? Eh ouais, frère, une Rolex. Merde, j'ai une urgence, je dois répondre. Les délires. Allô? Je reviens, Pac, bouge pas. Ouais. Salut, Big. Ouais, comment tu vas? Ça va. Quoi de neuf? Que du vieux. Biggie, salut, comment ça va, mec? Ouais, ça va. Pareil, je taffe comme un malade, ouais. Je fais mon bise. Ouais. Hé, hey, Pac, depuis quand vous êtes si proches? On n'est pas proches, on se voit de temps en temps. Où est le problème? Fais attention, frère. C'est un gros poisson, lui. Je suis moi-même un sacré poisson qui sait nager en haute mer. D'accord, d'accord. Te fous pas de ma gueule. T'es là, Big? Ouais, ça va? Ça va, mon pote? Ouais. Bon, voilà. J'ai raté quoi? Ce bon, soir, on va faire les deux émissions et retourner au studio pour mixer l'album. Ça devrait le faire. Salut, Pac. Salut, Big Shug. Je t'ai ramené un petit cadeau. Ah ouais? Merde! J'hallucine! Pour une chanson? Je te l'ai dit, c'est pas uniquement pour la musique. Oh, mec, j'y crois pas. C'est ta part. J'apprécie, Shug. Je dois retourner bosser. Allez, avec Tron. Ça fait un paquet. Ouais, c'est clair. Pac, qu'est-ce qu'il veut vraiment acheter? Là, je dois avouer que j'en ai vraiment rien à foutre. Ce négro tremble. Écoute, dans mec, toutes les emmerdes qui m'arrivent, les affaires qui s'accumulent, et toi, tu t'inquiètes pour ce putain de pognon? Ça me va d'être payé, Pac. Mais ça... D'accord. À Washington DC, une coalition de femmes noires a apporté son soutien à l'indignation grandissante visant une forme particulièrement violente de rap. Il y a trois choses qui clochent avec le gangsta rap et les paroles dégradantes qu'il véhicule. C'est obscène et c'est obscène. Le rap ne parle pas à leur génération. Oui, mais peut-être que c'était pas le rap son problème. Elle voulait peut-être plus vous entendre la traiter de salope. Si c'était vraiment le cas, elle aurait dû venir me voir ou aller voir tous les autres rappeurs sur qui elle a craché sa haine. Je dis pas le contraire, d'accord? Mais vous devez reconnaître qu'il y a un fossé énorme par rapport à sa génération et celle du hip-hop, Tupac. Ouais, un putain de fossé, mec. Mais bon, nous attaquer dans les médias, sans même parler avec aucun de nous, ça va changer que dalle. Franchement, Pac, vous pensez vraiment qu'il existe aucun rapport entre votre manière de traiter les femmes comme de simples objets et votre séjour en prison? Je vous emmerde. Ils disent tous que j'aime pas les femmes. Voilà. D'après eux, mes propos sont dégradants.
Vous êtes d'accord avec ça? Non! Vous êtes plus malin que ça. Vous allez tous à la fac. Vous vous laissez pas berner. Ouais! Donc, celle-ci est pour vous, pour toutes les femmes. Ouais! Since the black of the berry, the sweeter the juice, I say the darker the flesh and the deeper the roots. I give a holler to my sisters on welfare. Tupac cares if don't nobody else care. And I know they like to beat you down a lot, and when you come around the block, brothers clown a lot. But please don't cry, dry your eyes, never let up. Forgive but don't forget, girl, keep your head up. And when he tells you you ain't nothing, don't believe him. And if you can't learn to love you, you should leave him. Cause sister, you don't need him. And I ain't trying to gas you up, I just call them how I see. You know what makes me unhappy? When brothers make babies and leave a young mother to be a cat. And since we all came from a woman, got our name from a woman, and I came from a woman, I wonder why we take from our women, why we rape our women, do we hate our women? I think it's time to kill for our women, time to heal our women, be real to our women. And if we don't, we'll have a race of babies that will hate the ladies that make the babies. And since a man can't make one, he has no right to tell a woman when and where to create one. So will the real men get up? I know you're fed up, ladies. Visez-moi ça, on a trois caisses blindées qui nous suivent. J'adore Atlanta, mec. Ça va chauffer grave ce soir, elles vont toutes venir dans la suite. T'étais chaud, t'as tout niqué. Comme d'hab. Dégage de là, c'est bon, attendez. T'es dans notre quartier. Mais qu'est-ce qu'ils font ces enculés? Tu voulais tirer les caisses? Arrêtez-vous. Tiens-le. Arrêtez. Vas-y, je vais le défoncer. Bouge pas. Non. Ça va? Bon garçon, ça va prendre. Vas-y, oh, défonce-le! Qu'est-ce que tu foutais, hein? Réponds-moi! Allez! T'as perdu ta langue! Mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que vous faites là? On n'allait pas te voir! Dégage de là! Laissez ce pauvre mec! Mêle-toi de tes oignons et remonte dans ta putain de caisse! Qu'est-ce que vous lui voulez? Vous faites quoi? D'où tu viens? T'as entendu ce qu'il a dit? Dégage de là, maintenant! Y'a personne qui va venir te sauver! Plus vite que ça! Putain! Je les emmerde! Baissez-vous, baissez-vous! Enculé, t'aimes ça, hein? Je t'entends pas! La flingue! On se casse! Le rappeur et acteur Tupac Shakur a été arrêté à Atlanta après une fusillade avec deux officiers de police en civil. Les autorités affirment que les officiers traversaient la rue lorsqu'une voiture folle les a pratiquement renversés. Ces deux types étaient habillés normal, je te jure. Comment je pouvais savoir que c'était des keufs? Tu pouvais pas le savoir, mon pote. C'est vraiment pas de peau. C'est clair? J'ai cru que c'était deux espèces de tarés qui faisaient chier un frère. C'est exactement ce qu'ils faisaient. En plus, les flingues qu'ils avaient sur eux, ils les avaient volées à leur dépôt, ces enfoirés. Sérieux? En voilà. Je rêve, là. Hey, écoute, je connais les juges aussi. Si t'as besoin de n'importe quoi, tu sais que tu peux compter sur moi. Voilà. Salut ma belle, comment ça va? Hey, Pac. Je voudrais te présenter cette jeune fille. Je m'appelle Brianna. Moi, c'est Tupac. Et je sais parfaitement qui tu es. Tu veux danser? Allons danser. Mais j'avais pas du tout l'intention de la calculer. Monsieur Shakur, vos messages. Elle a appelé plusieurs fois. Resserre-moi, s'il te plaît. Salut, Pac. Comment tu vas? Qu'est-ce qu'il fout ici, elle? Je viens juste d'arriver. Viens prendre un rail de coke. Tu déconnes? Je toucherai jamais à cette merde. C'est toi qui vois. Putain, c'est quoi qui tente parents chez eux?
Allô? Quoi, l'avocat demande encore du fric? Je suis pas un distributeur de billets, moi. Hé, hey, Pac, si tu veux un peu de fric, hésite pas. T'en fais pas, ça va aller. T'es sûr? Sûr et certain. Tout va bien, mon chou? Je peux faire quelque chose. Viens, je vais prendre soin de toi. Ça te fait du bien? Ouais. Pac! Pourquoi tu les as laissés me faire ça? C'est quoi ce bordel? Ici. Faire quoi? Moi, tu sais exactement. De quoi est-ce que tu parles? C'est tes potes, alors dis pas de conneries, Brianna. T'aurais jamais dû me laisser avec eux, moi. Tu délires complètement. Je te rappelle que c'est Nigel qui nous a présenté en boîte. Parlez de moi très vite. Et merde. Putain, c'est quoi ce délire? Tout va bien. Non, tout va pas bien. Elle a débarqué dans ma chambre en racontant n'importe quoi. Eh, tu ferais mieux de baisser d'un ton, d'accord? Je vais rien baisser du tout. Tu crois que tu parles à qui, là? C'est pour ça que je t'apprécie, gros. Écoute, elle trip, je vais aller m'en occuper. Laisse-moi faire. Tu vas aller t'en occuper? Ouais. Je vais régler cette petite crise en moins de deux. Quelle salope. Je n'ai même pas baisé qu'elle me casse déjà les couilles. Ferme ta gueule, hein, sale connard. C'est Monsieur Chacour, juste là. Les mains en l'air. Vous voulez quoi, là, putain? Les mains en l'air. Qui t'a foutu, toi? Les mains en l'air. Comme ça que tu règles les histoires? Allez, main derrière le dos. T'as aucun souci à te faire, je balancerai que dalle. Bouge-toi, main derrière le dos. Hé, je la baisse, ta femme, fils de pute. Vous me faites mal. Je veux niquer vos gosses, bande d'enculés de vos mères. Vous savez qui je suis, sale blanc de mudeux. D'accord. Alors, vous avez vu l'avocat de Nigel? Ça s'arrange? Le juge vient tout juste d'adopter une motion pour qu'il soit jugé seul. Pourquoi il le juge seul? Les enfoirés, ils ont réussi. Ça veut dire que Nigel va avoir droit à son propre procès. Ils veulent isoler Tupac. Vous allez affronter la plaignante tout seul. Comment est-ce qu'il a pu me faire ce coup? Avec des amis vraiment très haut placés. Tupac! L'accusé est-il dans ce tribunal? Oui. Pouvez-vous nous le montrer? J'aime les femmes! Et les femmes elles-mêmes! Je ressens pas le besoin, et j'ai aucune raison de violer une femme. J'ai pas été éduqué comme ça. Il y a eu aucune preuve contre moi. Je suis pas coupable. Pourquoi je suis le seul accusé dans ce tribunal? Pourquoi les caméras sont braquées sur moi? C'est dans le rapport, il y a aucune charge, j'ai rien fait du tout. Si on m'accuse d'avoir... fais un concert avec des amis, mais où sont les autres? Pourquoi moi? Car je suis Tupac. C'est pas à eux que j'en veux, mais plutôt à notre système. Je veux pas que qui que ce soit aille en prison, mais je veux pas faire de la tôle alors que j'ai rien fait. On fera pas de moi le bouc émissaire. C'est normal, non? C'est vrai, la seule façon dont j'ai toujours vécu ma vie, c'est en assumant absolument tout ce que je fais. J'ignore pourquoi je parlais d'autre chose. Tiens, là ton Parfait, ça fait un bon ça paquet. Suffire pour vous feriez mieux que pas vous servir. Attends, encore lui. Monte un peu le son, s'il te plaît. Ouais, je fais ça. Vous me connaissez. Un peu plus, s'il te plaît. Vous savez que je fais mes trucs dans mon coin. Et je fais rien d'autre. Vous me voyez pas, à part en concert et au cinéma. C'est vrai. Je comprends vraiment que dalle. Monsieur Chacour a également déclaré au New York Post que des connaissances ont profité de lui et qu'ils étaient les responsables. Chacour. Oh, l'enfoiré. Comme ça, je suis un profiteur maintenant. Vous entendez ces conneries? L'enfoiré, je lui ai offert sa première Rolex. Vous savez tous comme moi que ce bâtard va revenir pour demander du blé et des meufs. Oh la merde, c'est juste un guignol. J'aurais dû le défoncer le jour où j'en ai eu l'occasion. Faisons-lui sa fête. Eh, on lui fait que dalle. Et y a rien qui se passera tant que je l'aurai pas décidé, c'est clair? Ouais. Et t'avises plus jamais de me regarder de haut comme ça, négro, ou je t'arrache le nez pour le filer à mes chiens. Va compter mon fric. M'obligez pas à vous défoncer le crâne, bande d'enculés. Quoi? Laisse tomber. Bon, écoutez les gars, voilà ce qu'on va faire. On va le niquer, ce négro, on oublie Nigel, je vais me le faire.
J'ai payé autant de factures que j'ai pu. Les promoteurs sont en train d'annuler, un par un. Cette affaire de viol nous met dans la merde aussi. Hé, j'ai jamais violé personne. Je sais bien que t'as jamais violé personne. Mais tout est une question de point de vue. Ce que tu décris dans tes paroles, c'est ton point de vue, ta propre vérité. Mais les médias, eux, ils ont leur propre point de vue. Et le prochain film, alors? Ils veulent changer d'orientation. Comment ça? Ils veulent plus de toi, Pac. C'est des conneries! Où est-ce que tu vas, Pac? Pac! Allô? Salut, Pac. Tu passes ce soir? T'as mon fric ou pas? Parce que je vais nulle part si t'as pas de fric pour moi. C'est bon, 75 000 comme convenu. Super, bouge pas. Hé, hey, combien de couplets tu dois faire pour ce type? Juste un ou une chanson? Non, juste un couplet. Ah, donc on va au strip club après? Hé, hey, comment? Je suis ouais, partant. Il est partant. On va se faire plaisir. J'adore mater leur boule. Tu vas en tâter. Il y aura des bombes, c'est sûr. Mets-toi par terre, espèce d'enculé! Mets-toi, mets-toi par terre! Ferme ta gueule, putain! Je sais pas qui t'as à faire là! Mets-toi à genoux et vite! C'est toi qui m'oblige à te flinguer, négro! Je t'ai dit de te mettre à genoux, négro! Tu peux pas t'empêcher de te prendre pour un mur! Qu'est-ce qui cache chez toi? Bouge pas là! Tu t'es pris pour un gros poisson, mais t'es qu'une grosse merde! Une grosse merde! C'est quoi ton problème, enculé? T'as des flingues? Tu te crois dans un putain de clip de rap, négro? Tu sais ce qui arrive aux rappeurs qui se prennent pour des gangsters? Fais enculer! Ah, putain! Ah, bâtard! Je t'ai dit de me donner tout ce que tu as! La vie de gangster, c'est pas un putain de crime de rap! Prends-le-toi! Prends-le ça! Prends-lui sa chaîne aussi! C'est bon! Allez, on trace! On trace! On casse-nous! Pac! Pac! Ils ont flingué Pac, putain, c'est pas vrai! Merde! Ouais, en douceur, en douceur! Appelez une putain d'ambulance! On peut pas laisser comme ça les mecs! Il est plein de sang, là, il va pas tenir! Bougez-vous, on a besoin d'espace. Dégagez, putain, laissez-le respirer. Appelle ma mère. Non, tout porte à croire qu'il s'agit d'un vol à main armée. Ils ont crié « Donne tes bijoux et mets-toi à genoux ». Tupac a résisté, les trois autres ont obtempéré. Vous dites qu'il a résisté, qu'a-t-il fait? Il a refusé de se mettre au sol? Il a résisté, ça s'est envenimé et c'est là que les coups de feu ont retenti. Pas de visite, Big. Et s'il vous plaît, c'est mon pote, là. Juste la famille. C'est pas vrai, vous êtes pas sérieux, les mecs. Hein? Tu fais quoi, là? Enlève tes sales pattes, putain. Vous me faites quoi? Pas les pattes, qu'est-ce que tu branles? Je suis désolé, Big, mais les visites sont réservées à la famille. Ce mec, c'est comme un frère. Oh, à moi. Putain, vous délirez, je vous jure. Ça va, je connais le chemin. Je voulais... Putain. J'hallucine, vous abusez, là. Fais-moi sortir d'ici. Tout va bien, arrête. Il y a des gardes du corps, tu ne crains rien. J'ai été piégé, putain. Quelques heures après son opération, le rappeur Tupac Shakur a quitté l'hôpital Bellevue contre l'avis des médecins. Il est convoqué au tribunal cette semaine. Je pourrais passer? Laissez-moi, vous pouvez bouger. Putain, vous tapez dans ma chaise roulante, là. Monsieur Shakur, le bonnet. Merci. Ça va aller. Concernant les accusations de viol et de sodomie, quel est le verdict du jury? Non coupable.
Bonne nouvelle. Concernant les accusations d'agression sexuelle et d'attouchement non consenti, quel est le verdict ? Coupable. Félicitations, c'est une belle victoire. C'est ce qu'on voulait. Excellent travail. L'audience est suspendue jusqu'au 8 février 1995 pour statuer de la peine. La séance est levée. Monsieur Chacour, veuillez vous lever pour la lecture de votre peine. Monsieur Chacour, je vous condamne à 4 ans de prison, dont 18 mois incompressibles. Si je peux me permettre, c'est excessif, monsieur le juge. Laissez-moi finir, maître Warren. La peine sera effectuée dans une prison de haute sécurité. Mon client est jugé pour une simple affaire d'attouchement. Si vous m'interrompez encore une fois, je vous ferai poursuivre pour outrage. Est-ce que c'est compris ? Monsieur Chacour, voudriez-vous vous adresser à ce tribunal avant d'être placé en détention ? Monsieur le juge, durant le procès, vous ne m'avez pas regardé une fois dans les yeux. Mais vous avez passé des heures à analyser mes tatouages, des jours à débattre de mes paroles, de leur sens, mais sans jeter un regard sur moi. L'homme, la personne. De toute évidence, vous n'êtes pas impartial. Inutile de vous demander d'alléger ma condamnation. Si vous voulez mon avis, aucune justice n'est rendue dans ce tribunal. Alors faites ce que vous voulez, je m'en remettrai pas à vous. Je m'en remets uniquement à Dieu. Officier. Attendez. Tout ira bien, maman. Je vais bien. T'en fais pas. D'accord. Allez, tiens le coup, ça va aller. Shall not fear no man but God. Though I walk through the valley of death. On se bouge les filles. Allez, allez. Sortez du bus. Allez, allez, bougez-vous. Back in elementary, thrived on misery. Left me alone, I grew up amongst a dying breed. Inside my mind, couldn't find a place to rest until I got that thug life tatted on my chest. Tell me, can you feel me? I'm not living in the past, you wanna last. Be the first to blast, remember Kato. On nous a envoyé une superstar. Donne-toi, t'as pas compris ou t'es sourd? Retourne-toi, tu vas filer droit ici, dépêche. Allez, plus vite! Y'a un problème? Avancez! Non, now that I'm struggling in this business by any means, label me greedy, getting green, but seldom seen. And fuck the world, cause I'm cursed. I'm having visions of leaving here in a hearse. God, can you feel me? Take me away from all the pressure and all the pain. Show me some happiness again. I'm going blind. I spend my time in the cell. Ain't living well. Allez, I know my destiny is hell. What did I fail? Qu'est-ce que vous foutez? Ferme ta gueule et bouge pas. Vous me faites quoi? Tu fermes ta gueule. D'accord, je vais pas faire ça. Enculé de ta mère! Parlons de votre vie aujourd'hui. Votre dernier album, Me Against the World, s'est classé numéro 1 au Billboard. Félicitations. Je vous remercie. Vous êtes le premier artiste de l'histoire à placer un album numéro 1 alors qu'il est en prison. Est-ce que vous pensez que vous seriez numéro 1 en étant en liberté ? Évidemment. Ouais. Vous avez fait appel. Votre caution est $1,400,000. Vous vous trouvez en prison au moment où on se parle. Tupac Shakur ne peut pas payer sa propre caution. À qui vous voulez parler ? À Tedfield. Je suis désolée, il est en réunion. Vous pouvez pas me le passer quand même ? Monsieur Shakur, je vais prendre votre numéro et il vous rappellera. Vous voulez prendre mon numéro ? Putain de merde, je suis en tôle ! À toi de jouer. Plus vite, Arthur. Évite de jouer au plus malin ici. Garde ça pour tes clips, c'est compris. T'es juste un négro de plus dans cette prison. Eh hey mec, c'est chez moi que tu les trouves les plus balèzes. Tu me dégoûtes avec tes conneries. Je viens de la côte ouest, j'en ai vu des trucs. Et moi je viens de Brooklyn. Je vais te dire comment ça se passe sur la côte est. Ce que j'essaye de te dire, c'est... Attends. Non, remets le son, vas-y. Ouais, remets-le, mec.
who shot ya? Separate the wheat from the ops. Leap hard to creep them Brooklyn streets. It's a fuck all that bickering beef. I can hear sweat trickling down your cheek. Your heartbeat sound like Sasquatch feet. Thundering, shaking the concrete. Then the shit stop when I fall the plot. Neighbors call the cops, said they heard mad shots. Saw me in the drop, 3 1/4. Slaughter, electrical tape around the daughter. Old school, new school, need to learn though. I burn, putain. Baby, burn like disco. La loyauté, c'est plus important. Like blunts with gay, yo. Kill more skins than Idaho potato. Niggas know the lyrical molesting is taking place. Éteins la musique, fais-moi plaisir. À qui tu parles, l'ancien? À t***. Il est fou, l'entendez, le papy? Éteins cette putain de musique, d'accord? Eh, vous savez quoi? C'est bon, on se détend. Laisse-moi te mettre au parfum. Laisse tomber ces conneries. Faut pas que ça te bouffe le cerveau. Oublie ces conneries. Et comment je pourrais oublier ces conneries? Il a dit clairement qu'il a un rapport avec cette histoire. Tu sais même pas quand il a écrit ce truc. Je m'en branle, il sait exactement ce qu'il fait. Peut-être qu'on l'a forcé à baver sur toi, t'en sais rien. Qui tu traînais? Il sert de mec du hip-hop depuis des années, tu sais? J'en ai rien à foutre! Ce négro doit payer! Il faut qu'il paye pour ses conneries! Voilà ce qui va se passer! Il faut qu'il paye. Exact! Laisse-moi te dire une bonne chose. Écoute bien, fiston. Je t'ai dit de m'écouter. T'as un rendez-vous. Un rendez-vous pour sortir de cet enfer. Est-ce que tu me comprends? Je vais devoir pourrir dans ce trou à rats pour le restant de mes jours, tu réalises? Tout ce que je vais voir, c'est ces satanés barreaux et ces satanés murs à perte de vue. Tu vas devenir un grand homme un jour. Faut pas qu'un truc qui dure une fraction de seconde bousille tes 50 prochaines années. Ouais, je te suis. Bien. Je te suis. C'est la dernière fois. T'emmerdes, papy. C'est pas pour qui. T'en parlais de mon argent? J'ai tout essayé, mais... Non. Relève la tête, Tupac. Mon chéri. Montre-moi que tu as un esprit de battant. Allez, relève la tête. Comment il se comporte avec toi? Tu le sais. Oui. Je le sais. Maman, je suis désolé que tu sois obligée de venir ici. Qu'est-ce que... C'est moi qui devrais te présenter des excuses. C'est pas toi qui m'as mis ici. C'est ma faute. T'avais raison. C'est comme pour les panthères. Ils ont mis à ma disposition les moyens pour que je m'autodétruise. C'est leur système qui est fait comme ça. Je suis tombé dans le panneau. Excusez-moi, madame. Je suis vraiment désolé. Je comprends votre besoin de prendre la main de ce charmant jeune homme. Mais le règlement vous l'interdit. Je suis vraiment désolé. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Merci. Quand je me suis retrouvée en prison, même enceinte de toi, ils m'ont traitée comme si j'étais qu'un animal. Aucune nourriture décente, jamais de véritable repas, aucun suivi médical, cette prison. Cette prison, cet enfer sur terre, elle a été faite dans le but de te détruire. Ton corps est peut-être ici, dans cette prison. Mais ton esprit, non. Ceci surtout, envers toi, il faut toujours que tu sois loyal. Et aussi sûrement que la nuit vient après le jour,
Il s'ensuivra que tu ne pourras pas tromper qui que ce soit. Aucun homme. Ce vieux Shakespeare. T'arrives encore à me faire sourire, maman. When I was young, me and my mama had beef, 17 years old, kicked out on the streets. Though back at the time, I never thought I'd see a face. Ain't a woman alive that could take my mama's place. Suspended from school, I'm scared to go home. I was a fool with the big boys breaking all the rules. Shed tears with my baby sister. Over the years, we was poor than other little kids. And even though we had different daddies, the same drama when things went wrong, we blame mama. I reminisce on the stress I caused. It was hell, hugging on my mama from a jail cell. And who thinking elementary? Hey, I see the penitentiary one day. Running from the police, that's right. Mama catch me, put a whoop into my backside. And even as a crack fiend, mama, you always was a black queen, mama. I finally understand, for a woman it ain't easy trying to raise a man. You always was committed, a poor single mother on welfare. Tell me how you did it, there's no way I can pay you back. But the plan is to show you that I understand. You all appreciate it. Salut, Négro. $3 millions. $1 million par album. Payé à l'avance. Et une maison pour votre mère. Ça te va? Ouais. Niveau thune, t'as aucun souci. Ce qu'il te faut, c'est un bon conseiller. J'ai un manager, mec. Je dis pas que tu peux pas avoir d'amis. Mais c'est moi qui serai là pour toi, H24, 365 jours par an. Ça devrait être moi. Death Row, c'est pas un label. C'est un mode de vie. Où est Etron en ce moment? Il est là? Ou il est en train de supplier les plans Beck pour tomber? Tomber. C'est très simple. Il y a tout plein de mecs qui ont une paire de couilles mais qui les portent pas. Moi, je suis un vrai. Personne se fout de ma gueule. Il y a personne qui touche mon fric et il y a personne qui touche ma famille. Et s'il s'essaie? Tu as entendu les rumeurs? Mais je veux que tu comprennes une chose. Les résultats. D'accord. Alors, comment score? Dès que tu peux signer. Alors donne-moi un stylo, mon gars. Lève-la, mon stylo, c'est ma parole. Marché conclu. Ce bon vieux Shug. Ouais. Bonjour, comment ça va?
Bon, avant de commencer, je dois vous dire que mon reportage est pratiquement terminé. Hein? On a presque tout monté. Ouais? Alors, est-ce qu'il y a une info exclusive que vous voudriez lâcher? Ouais, c'est même une putain d'info. D'accord. Est-ce que cette putain de caméra tourne? Ça tourne? Je veux que vous soyez tous prêts à ce qui va suivre. À tous les espèces d'enfoirés qui avaient cru que j'étais un homme mort, vous rêvez pas. Je suis pas un fantôme, c'est moi. Tendez l'oreille, parce que je reviens et ça va faire mal. Bienvenue chez Death Row. Pour bien commencer. Waouh, t'es qui? Au fond, les gars. C'est évidemment, Shug, un cadeau de bienvenue. Ouais. Trop stylé. C'est clair. Voilà, c'est le fait, t'as trop la classe. Tiens, je te laisse. Avec plaisir. On fait quoi? On bouge, les mecs. Ouais, on se casse. C'est le patron. Putain de merde. Je le crois pas. Dr. Dre. Ça boom back. Alors ça roule, négro. Ever since honeys was wearing Sassoon, now it's 95 and they clock me and watch me diamond shining, looking like a Rob Liberace. It's all good, from Diego to the Bay. Your city is the bomb if your city making pay. Throw up a finger if you feel the same way. Straight putting it down for California, yeah. Ça fait plaisir. On va devenir les rois du monde. Je vais sortir 3 albums directs. Ah ouais? Je te jure. On m'empêchera pas de faire ce que je veux. Ouais, je comprends, Pac. Je t'avais dit de venir ici pour mettre les choses au clair. Ça roule, Pac? Ouais, ça va. Ok, je vais mixer ce morceau. Je vais aller faire un tour, moi. Entre, on va s'occuper de ça dans une minute. Ah ouais? Ouais, détends-toi. Ouais. Oh la merde! Qu'est-ce que vous faites? Putain, il est en chef! Oh putain! Non! Oh, allez, c'est sa gueule! Oh putain, des choses! Espèce d'enculé, me paye pas! Il regrette déjà! Ouais, tu m'étonnes! Bordel de toi, merde! Toi, t'as besoin de rien? Non, ça boum, négro! Nickel! Je vais tourner enregistré! Je suis chaud comme la braise! Ok, à plus tard! T'entends ça, négro? Oh, ça déglingue! Waouh! Ça défonce! Das, c'est ton son? Ouais, négro! Ouais, je kiffe grave! Ça déchire méchamment, ouais. Frangin! Toi-même, tu sais, c'est la fête des voyous, cousin! Ben, la fête a eu lieu dans le couloir! Un gars vient de se faire tabasser! Je vous jure! Je vois que t'as une chaîne! Bienvenue dans la famille, Pac! Je suis pour aller rapper! Quoi,
Crois-moi, ça va être un classique direct. Ouais, les deux Américains les plus recherchés. Hé, hey, Odaz, ralentis un peu le son pour voir, mec. Ça, c'est du bon son. Avec lui. Tu sais comment ça marche? Il a fait son choix. Il fait son truc de son côté. S'il vous plaît, messieurs. J'aimerais avoir votre attention. Comme je vous dis toujours, Death Row, c'est plus qu'un label. C'est une famille. Et ce soir, un de nos membres a été acquitté et il est de retour parmi nous. Non coupable, non coupable, non coupable. Ouais. Et on a aussi un tout nouveau membre. Tupac. Tupac. Santé. 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 Personne n'a jamais fait ce qu'on est en train de faire. Aucun autre label a jamais fait autant d'albums de platine en aussi peu de temps. Et quand l'album de Pac sera dans les bacs, le premier double album de l'histoire du rap. Exactement. On va aller encore plus loin. On en est arrivé là, en se faisant tous confiance. En étant une famille. En étant loyal. Comme mon pote ici. Ronnie, t'as faim? Non, ça va, Shug. Fais-toi plaisir. Non, je suis plein. Un autre steak? Non, je suis blindé. C'est bon. Là, t'en veux plus? Donc t'arrêtes de te servir dans mon plat. Ça fait des mois que tu te sers dans la caisse, t'es pas fatigué? Des cassettes? Des studios d'enregistrement? Des musiciens? Cette espèce d'enfoiré a craqué 250 000 balles pour un artiste qui est même pas en moi! T'as cru que j'allais pas le savoir? Tu m'as pris pour une pute? Tu pensais que ça allait pas faire de vagues? Réponds-moi quand je te parle! C'est pas moi. Je crois que t'as un problème avec les maths, René. Parce que c'est pas logique. Mais hé, t'aimes grailler, pas vrai? Alors bouffe ça, enculé, fais-toi plaisir. Bouffe ça, tu vas bouffer, hein? Quel goût ça? J'entends rien. Tu te régales, enculé? T'aimes ça? Désolé. Qu'est-ce que tu dis? Pardon. Quoi, t'as soif? Non, pardon. Il a l'air d'avoir soif. Ouais. On dirait que c'est soif. Donne du champ à cet enculé. Ouais. Bois ça, enfoiré! T'aimes ça, le champagne? Tu mets la grande vie, ça, enfoiré! Remplis-lui le gosier, donne-lui des crevettes! Espèce de vautour! Bouffe ça, enculé! Alors, ça a quel goût, la grande vie, hein? Ouvre la bouche, vas-y! Espèce d'enfoiré! Tu voulais arnaquer ta propre famille? Te goinfrer sur notre dos, hein? Tu voulais m'arnaquer, moi? Y'a personne qui m'arnaque! Virez-moi ce négro, je peux plus le voir. Allez, viens avec mon fils de pute. Non! Choc! Non! Ferme ta gueule! Faites pas ça, non! Ferme-la! Non! Putain! Tu vas le regretter, sac pas cassé! Non! Attends-moi encore! Non! Qui veut du dessert? T'es un sacré enfoiré! Salut, mec. Eh merde. Salut, Tron. Enfin, t'acceptes de me rencontrer. C'est pas ce que tu crois, mec, je te jure. J'étais occupé 24 heures sur 24. Donc, tu l'as fait, hein? Ouais. Je suis avec Shug, maintenant. Écoute, Tron, je te remercie, je le pense. T'as fait beaucoup pour moi. T'étais toujours avec moi. Mais il faut que je fasse mon propre truc. Il faut savoir tourner la page et aller de l'avant. Alors, tu sais rapper, hein?
fait du chemin. C'est passé trop vite. Prends soin de toi, Pac. T'inquiète. D'accord. Allez, salut. Hey, salut beauté. Pourquoi tu m'ignores? Kidada Jones, pas vrai? Je suis Tupac. Je sais très bien qui t'es. Ça m'étonne que tu m'appelles par mon nom. De quoi tu parles? Quincy Jones. Tu te souviens pas de ton interview? Tu sais celui où tu dis que tout ce que mon père sait faire, c'est niquer des pétasses blanches et faire des gosses attardés? Donc voilà, c'est lui mon père. Attends, s'il te plaît. Laisse-moi 3 secondes pour pouvoir m'excuser. Une. Écoute, j'ai été stupide. J'ai fait le malin. J'ai dit vraiment beaucoup de conneries. J'exprimais juste le fond de ma pensée. C'est con que les frères qui réussissent préfèrent les femmes blanches aux femmes noires. Je me suis mal exprimé. Je dis un tas de trucs sans réfléchir et ça me joue des tours. Ma grande gueule, j'avoue, c'est un de mes grands défauts. J'ai aussi un beau sourire qui va avec. C'est fini. Nous ne devons jamais haïr ceux qui nous ont fait du tort. Car aussitôt que nous nous mettons à les haïr, nous devenons exactement comme eux. Pathétiques. Envieux et infidèles. Tu veux m'impressionner avec du Shakespeare? J'essaie seulement de faire en sorte que tu puisses comprendre ma façon de penser. Va falloir essayer plus que ça. Ah, mais je compte bien tout essayer, ma belle. J'aime bien celle-là aussi. Je vais l'appeler Euthanasia. Ça me dit trop rien. Il faut que le titre soit plus sur toi, sur comment tu te sens. Ouais, j'adore. Surtout celle-là. Ouais, ben je me sens comme si tout le monde avait les yeux fixés sur moi. All eyes on me. C'est ça, tu le tiens. Ouais, ça le fait. Hey, Shug. Putain, qu'est-ce qui t'est arrivé? Des enfoirés m'ont braqué au magasin, mec. Ils ont piqué ma putain de chaîne, ces fils de pute. Si j'avais eu mon flingue, j'aurais buté ces petits bâtards. D'après la rumeur, c'est des mecs de Bad Boy. Des enfoirés de chez Bad Boy, les gars. Ils ont mis un prix sur nos têtes. Il va falloir qu'on règle leur compte à ces mecs. Vous étiez passé où? Hein? Vous étiez pas avec eux? Franck, tu surveilles Pac 24 heures sur 24. C'est la guerre. Pac, compte sur moi. J'espère que t'es prêt. C'est mon taf. Ces enculés veulent la guerre. Sortez tous de mon bureau! Bâtard! Putain! J'aime les faire! Comment tu vas? Elle est en forme. Content de te voir. Pareil. Salut, salut ma belle. Pac. Comment tu vas? Tout va bien, comme tu sais. Je suis sortie. Je fais de la musique, j'écris de nouvelles chansons à Los Angeles. Profites-en alors, profites-en. Faut vraiment qu'on fasse un morceau, toi et moi. D'accord, mais je repars demain par contre. Allons au studio juste après dans ce cas. Ça me va. Super. We got four niggas and low riders and ski masks screaming thug life. Every time they pass, all eyes on me. All Eyes on Me a fait sauter la baraque. Record de vente historique. Ça déchire. T'as tout déchiré. Shook, salut. Comment tu vas? Ça va, ça va. Le studio a envoyé les cassettes, donc tout est prêt. Nickel. Ils sont tous comme des dingues. Donnons-leur ce qu'ils veulent.
J'ai droit à une minute. Allez, les filles. Accordez-moi une minute. Et ramenez vos belles petites fesses très vite, ok? Pourquoi tu fais la gueule? J'hallucine. Tu vois pas que je fais une fête du tonnerre? Tu te prends pour un tombeur, mais j'ai baisé ta femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ok, écoute. C'est pas ce que tu crois. C'est moi qui l'ai introduit dans le grand monde. Je lui ai fait prendre le micro à mes concerts, il a dormi sur mon canapé. Il me doit tellement, il n'a pas le droit de cracher dans la soupe et faire comme s'il ne savait pas qu'il voulait me faire la peau. Et Face? Une victime collatérale? Victime collatérale. Qu'est-ce qui t'est arrivé, hein? Qu'est-ce qui m'est arrivé?
J'ai reçu 5 balles dans le corps. Voilà ce qui m'est arrivé. Qu'est-ce qui t'est arrivé à toi? T'étais de mon côté. C'est pareil qu'avant, mais je cautionne pas ces conneries. C'est vraiment trop bête. Et c'est très dangereux. C'est dangereux aussi de se faire flinguer. L'homme que j'ai connu, il voulait rapper pour éduquer les autres. Et pour approcher, pas diviser. Ça veut dire que je dois m'agenouiller et laisser ces enculés me tuer? C'est ça que je devrais faire? Je suis censé être le gentil noir qui tend l'autre joue. Si s'en prend à moi, alors je devrais lui régler son compte. Donc on n'a plus le droit de rien dire, hein? C'est ça? Non, pas là-dessus. Je vois. Et merde. Jana! Jana! Merci. Merci bien. Je croyais pas que ça arriverait. Ouais, bien sûr. Je suis sérieux. J'ai dû t'appeler au moins 50 fois. T'exagères, c'était pas 50 fois. Bon, alors, 49. Et je t'ai invité au concert d'House of Blues. Mais j'ai pas eu de nouvelles. Il fallait que je réfléchisse. J'étais pas loin d'abandonner. Contente que t'aies continué. Moi aussi. Ouais, j'ai gagné. Pleure pas, pleure pas. Franck, apprends-lui à jouer, je te l'ai déjà dit. Everybody got their own thing coming up chasing worldwide through the hard times, worrying faces, shed tears. J'aime cette chanson. Tant mieux. Rien n'arrive par hasard, pas vrai? Tu philosophes maintenant? Tu te moques? Arrête. C'est vrai. Peu importe pourquoi on est là, il faut faire les choses bien. T'en fais pas. Mon père t'apprécie et c'était loin d'être gagné. Mais tu choisis jamais la facilité. Tu fais les bons choix. Avec toi, je vais conquérir le monde. Qu'est-ce qui te fait penser à tout ça? J'ai envie de faire mon propre truc. Ce sera mon dernier album avec des soins. Et j'aimerais voler de mes propres ailes. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que Shug va dire en apprenant ton départ? T'en fais pas pour ça. C'est pas grave. Mais la prochaine fois, assure-toi qu'il pique pas ta nouvelle chaîne. Hein? Je t'emmerde. Arrêtez, ça me fait pas rire, ces conneries. Détends-toi, allez. Je vous jure, c'est pas marrant. Salut les mecs, comment salut ça va? Salut Pac, comment tu vas? C'est pas vrai. Salut Shug. Salut Pac. On peut se parler une seconde? Oh. Hé, laissons-la discuter. Ouais, on bouge. À plus tard. Est-ce que ça va? Ouais, tout va très bien, mec. J'ai fini Machiavelli. All Eyes on Me est un double album. Donc je t'ai livré mes 3 albums. Écoute, mon pote. J'apprécie tout ce que t'as fait pour moi, mec. Je te jure. Ouais. T'as complètement changé ma vie. Et tu pourras toujours compter sur moi. Mais je veux faire ma propre compagnie. Faire de la musique, des films, des émissions de télé, tu vois le genre. Je serai même réalisateur. C'est cool tout ça. Au niveau de tes engagements, tout est réglo. Quand t'es arrivé, t'as taffé à fond. J'ai apprécié ça et je le respecte aussi. Laisse-moi te montrer un truc. Pour le fric, t'es loin d'avoir remboursé ce que tu me dois. On fait quoi pour ça? Dans le showbiz, il suffit pas de pousser la chansonnette.
Comment va mon fils? Ça va et toi? T'as l'air en forme. Ouais, c'est gentil. Maman, je te présente Kilada. Je suis ravie de te rencontrer. C'est gentil, c'est un très grand honneur, Madame Chacour. S'il te plaît, appelle-moi Fanny. Vous voulez un peu de poêlé de légumes? Oh, mon fils touche à des légumes? Oui, je lui ai fait arrêter son régime à base d'ailes de poulet et d'énergie. T'entends ça? Tu vois si ce que j'en dis? T'aurais jamais pu me faire manger ça. Cru. Oui. C'était un petit miracle. Je vais chercher de l'eau. Vous voulez boire quelque chose? De l'eau, ce sera parfait. Bien. Merci. Je reviens vite. Si je mange tout ça, je vais pâlir et tourner de l'œil devant ma mère. Chérie, tu sais bien que sa mère est blanche. Ouais. C'est encore plus grand que tous les appartements qu'on a eus à l'époque. Tout Jésus. Ouais, et j'ai le chauffage. Juste là. Oui. Plus besoin de mon manteau pour dormir. Ah, c'est vrai. T'en as fait du chemin, fils. Waouh. Comme nous tous, maman. C'est chez les enfants, ça va? Ils vont bien tous. Les enfants sont plus si petits maintenant. Mais ta sœur est une bonne mère. Ouais, elle me rappelle quelqu'un. Une fille intelligente. Très belle. Qui force mon fils à se nourrir de légumes. Ouais. Et je sais que tes amis l'adorent, eux aussi. Ouais. C'est quelqu'un de vraiment spécial. Hey, Pac! J'ai réfléchi à ce que t'as dit hier soir. Je me suis bien pris la tête. J'aimerais qu'on puisse en parler vite fait. J'ai une idée. Et il y a quelque chose que je voudrais te montrer. À toi. Death Row East? Pourquoi commencer de zéro quand on peut se développer? Euthanasia va être distribuée partout et on fera une promo qui va claquer. Je m'occupe de Death Row ici et toi tu gères la côte Est. On est partenaires maintenant. Tu sais déjà comment ça fonctionne. Pendant que tu fais des films et des sons, il te faut un mec qui assure tes arrières. Qu'est-ce que t'en dis? Est-ce que vous croyez en Dieu? Bien sûr. C'est pareil pour Death Row East. Vous pouvez croire à ce projet, c'est authentique. Vous me suivez? Il n'y a aucun autre label qui a autant vendu que le nôtre. Death Row East, ça va être un label pour la côte Est qui sera pareil que celui de la côte Ouest. Est-ce que Puffy et Biggie vous inquiètent? Si c'était une partie d'échecs, on aurait gueulé échec et mat depuis au moins 3 ans, vous savez. Vous comprenez? On débarque sur la côte Est pour prouver qu'on craint que dalle. Bien au contraire, c'est une opportunité. Et l'opportunité, c'est de renverser les rappeurs que vous entendez tout le temps. Avec Nas et Bad Boy et leur son merdique, on va mettre en place de nouveaux rappeurs qui feront croquer un tas de mecs de New York. C'est vraiment très simple. Vous êtes avec nous ou vous êtes contre nous. La côte Est n'aime pas Dr. Dre et Snoop Dogg? Et Death Row? On connaît la côte Est. On vous connaît. On s'en bat les On se casse. Snoop. C'était charmé ce que t'as balancé au Madison Square Garden l'an dernier. T'as quasiment déclenché une émeute. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte. J'ai fait ça parce que je crains que dalle. Et ça venait du cœur, tu me suis? On a grandi en écoutant le rap dans la côte Est. J'essayais juste de représenter et dire qu'on existait aussi. On n'est pas des gars méchants. C'est dit. Passons à autre chose. Parle un peu de Puffy et Biggie. Ben, Puff et Big,
C'est des bons potes à moi. C'est des bons gars, ils voulaient pas d'embrouille. L'enfoiré. Ça sert à rien, ces conneries. Peace and love. Hey, Shug! On se les gèle, hâte de retourner à L.A. Putain, pourquoi Snoop balance à la radio qu'il est pote avec ces mecs? Calme-toi, je vais régler ça. Que je me calme? Négro, t'es de quel côté? Je rêve ou tu me gueules dessus, là? Je t'ai dit de te calmer, je vais régler cette histoire, compris? C'est moi le patron, c'est clair? Soit tu règles cette histoire ou c'est moi qui la réglerai. Fais bien gaffe à ce que tu dis. Allez, arrêtez, on est une famille. T'as intérêt à régler ça? Me dis pas comment faire pour gérer mes affaires. C'est bon, je dis calme. Il est cinglé, il croit qu'il peut me parler comme ça. Ils sont en bas, ils parlent de toi, Snoop. Rien à foutre, j'assume ce que je dis. Personne fait quoi que ce soit avant que j'arrive. Je vais m'envoler pour L.A. Attends une seconde. Hé, hey, l'avion est plein. Tu vas devoir monter en solo, attends. Vous, vous allez prendre l'autre avion. C'est cool, on se voit tout à l'heure. Putain, j'ai hâte qu'on soit rentré. Je m'en tape de ce qu'il dit. Ce qui compte, c'est ce que je dis. Lâche pas l'affaire. Je te jure, merde. On retourne enfin au soleil. Ça boum, cousin. Ça va être un long vol. Je vois le jour. Ces négros sont tarés. Au revoir, mademoiselle. Hé, tu vas à Vegas demain? Pour voir le combat de Tyson. Hé, attends. Hé, ça va? Bien ou bien? Ouais, ça va. Et toi? Tout va bien. Ok. C'était un peu tendu pendant le vol, c'est tout. Allez, on se casse. Mais j'irai lui parler quand il reviendra de Vegas. Il se sera calmé. On va laisser ça derrière nous. Chérie, restons ici toute la nuit, d'accord? Je veux que ce soit inoubliable. Je dois aller soutenir Mike, bébé, d'accord? Il m'a demandé de venir, donc je dois y aller. C'est mon pote, tu le sais. Ouais, et ta copine, c'est qui? Il faut toujours que tu sois là pour aider les autres, et c'est pas forcément une bonne chose. C'est comme ça que je suis, on m'a éduqué de cette façon. Je tiens parole, j'ai dit que j'y serais. Je sais. Veuillez accueillir le seul et unique Iron Mike Tyson. Très rapide, Tyson pense dépression sur Rosenthal. Tyson avance pas dans son énorme crochet droit. Il a gratté, putain. Il l'a massacré. Ouais. Il lui a mis une patate dans la gueule dès le début du combat. L'autre a même pas compris ce qui se passait. Vous vous rappelez les gars qui m'ont sauté dessus au magasin? Ils sont juste là derrière, c'est les pyros. Vous savez ce qu'il nous reste à faire, les mecs? Sérieux? Non, doucement, merde, pas. Pas si vite, mec. Mais reviens, fais pas le con. Fais pas de conneries, arrête. Tu peux pas y aller tout seul. Voilà, ils sont là, ces enfoirés. Salut, ma beauté, je t'offre un verre. Salut, espèce d'enfoiré! Ouais! Alors, t'as un problème avec tes trous? Vous avez signé pour mon impôt! Tu fais pas le poids! Finis ce fils de pute! Voilà, il fallait pas s'en prendre à nous! Pour qui vous vous prenez? Vous êtes fait déjà s'en prendre à nous, votre bâtard! Allez, on s'en prend plus là! Hé! Mon chéri, qu'est-ce que. Oh mon dieu! Qu'est-ce qui s'est passé? On a trouvé l'enculé qui a volé la chaîne. Tu t'es battu? C'était rien, c'est fini. Tout ça pour une chaîne ridicule? Il s'agit pas de la chaîne. Tu viens juste de dire que c'était à cause de la chaîne. On se fout pas de la gueule de mon label. Ton label? Je suis devenu partenaire. Alors tu parlais de tout plaquer et d'un coup vous êtes devenu partenaire. Pour toi qui prétends être si futé, tu fais des choix... Hey, c'est pas ce que tu crois, c'est clair? Et qu'est-ce que je crois? Hein? Qu'est-ce que je crois? Tout ce que j'ai, ça a un rapport avec Shug, ok? Ma baraque, mes caisses, même ma musique. Je dois l'accepter, je peux pas le quitter.
Dre l'a quitté. Ouais, mais je suis pas Dre. Où tu vas? Je vais au club avec Shug. D'accord, je viens avec toi. Kidada. Quoi? Ma belle, écoute. Je vais y rester une heure maximum, d'accord? C'est juste une heure. Je reviendrai ici au plus vite. Mais ta petite robe rouge, tu sais qu'elle me fait craquer. On va se faire un petit poker. On va boire du Hennessy. Je ramènerai un peu dans la chambre. Et on fera des bêtises. D'accord. Alors tu vas vraiment me laisser. J'ai pas le choix. Juste une heure. D'accord? Promets-le-moi. Reste là ou on bouge? Ça fait plaisir que tu viennes. Bon, on va y aller, gardez l'œil ouvert. On va bien s'y arrêter. Ça va bien? Ouais, ça va. T'as un peu de matos ou quoi? Ouais, ouais. T'en fais pas pour ça. Ouais, ça fait grave plaisir. On va. Ouais, c'est parti. Hé. Toi, tu vas monter dans la Lexus. Je vais monter avec Shug. T'es sûr avec toutes ces embrouilles? Ouais, t'en fais pas. Et puis je serai avec la montagne de muscles juste là. Je rien. Allez, c'est parti. Ta tenue, c'est pour passer incognito? Ça pique les yeux. Allez, monte. Ça ressemble à un pull pourri que t'as tiré dans une maison de retraite. Eh merde, les Outlaws, c'est de la bombe, trop bien, ouais. Trop de la balle. Ouais, c'est clair. Ah, il arrache tout dans ce couplet, c'est du lourd. Quel enfoiré. Hey, Pac, what's up? T'as l'air en forme. Je vais bien, mec, et toi? Prends soin de toi. Prends soin de toi, merci, merci. Tu mets quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Écoute ça. C'est de la bombe, je crois-moi. T'entends ça? C'est quoi ce délire? C'est trop bon. Ça, c'est ce que je veux faire maintenant. Mais t'es sérieux? Putain, j'hallucine. Éteins cette daube, on est Death Row. Mec, ouvre ton esprit, je te jure. Faut pas être borné, non? Écoute pas seulement du rap. Le bon vieux R&B, ça tue, y'a rien de mieux. Ça, c'est du gospel du ghetto que t'entends. Je crois que la célébrité, ça te fait délirer. Tu deviens mielleux. Je t'emmerde, gros. Et ta zig de baltringue. Ouais. Tu peux garder tes sons. C'est pas Tupac, si c'est lui. Salut Tupac. Salut les filles. Vous allez où? On va s'éclater au club. Ma copine et moi, on peut venir. Ouais, évidemment. On va au 662, suivez-nous. Ouais, suivez-nous.
pas de péter les dessus. S'il vous plaît, donnez-moi la tête, c'est plus tirer dessus. I will keep you shiver. You know, I don't want them to be like, they know what I'm gonna say because it's polite. They know what I'm gonna say. And even if I get in trouble, you know what I'm saying? That ain't that what we're supposed to do. It's, I'm not saying I'm gonna rule the world or I'm gonna change the world, but I guarantee that I will spark the brain that will change the world. Only God can judge me. That right? Other motherfuckers, get out of my business. Really? Perhaps I was blind to the facts. Stabbed in the back, I couldn't trust my own home.